francesa y de la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas de artes. Nous réalisons aujourd'hui le rêve qu'ont eu de nombreux Espagnols pendant longtemps. Donner une sépulture à Don Miguel de Cervantes à l'endroit qu'il a indiqué dans ses dernières volontés pour son repos éternel, l'église des Trinitaires. Je suis très contente que mon dernier acte en tant que maire de la ville de Madrid soit précisément celui-ci. Si quelque chose caractérise Madrid, c'est qu'elle est la capitale culturelle de 500 millions d'hispanophones.